rester dans, à ses côtés dans le cadre de cette procédure. Je dois d'ailleurs vous dire que il y a encore quelques semaines, nous étions ici devant vous, ou certains d'entre vous, mais dans cette même salle, mais au moment où nous nous adressions à vous, notre client n'avait plus sa capacité de se mouvoir librement. Il n'était pas un homme libre en ce moment-là. Et c'est toujours une immense fierté pour l'avocat, et je me fais ici le porte-voix aussi de mes confrères, de parler pour un client lorsqu'il est à côté de vous, un homme libre. Et en cela, nous relevons tout de même que dans notre pays, il existe des textes de loi qui, lorsqu'on les applique, peuvent être protecteurs pour tout le monde. Et pour nous, c'est aussi un élément de fierté pour le soutenir ici devant vous, qu'en ce moment ici, cette loi qui aurait pu être utilisée de manière sanctionnatrice a aussi été appliquée pour être utilisée comme un cadre de protection des libertés. Je ne veux pas m'étaler davantage sur certains aspects procéduraux, comme je vous l'avais dit la dernière fois. Nous sommes dans un cadre d'enquête préjuridictionnelle qui par nature est une enquête secrète et que nous sommes tenus au secret professionnel et au secret de la société. Néanmoins, je veux brièvement aborder deux aspects de la situation relative à notre client Eliezer Tamboué, son actuel statut juridique et les perspectives d'évolution de la procédure qui est pendante encore en instruction devant le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe. Eliezer Tamboué, comme nous l'avions dit, peut-être à travers certains médias, est aujourd'hui dans un statut de liberté provisoire. Ce qui sous-entend qu'il a une capacité de mobilisation, de mobilité restreinte et il est astreint à respecter certaines conditions. Parmi celles-ci, et je ne veux pas être exhaustif, vous comprendrez que j'ai un devoir de réserve. Et parmi celles-ci, notamment, de ne pas perturber le bon déroulement de l'enquête. Et le bon déroulement de l'enquête signifie que le monopole de sa défense, les monopoles des informations relatives aux enquêtes qui peuvent continuer, il doit les réserver au procureur général, pas aux médias. Donc, tout ce qui concerne aujourd'hui sa stratégie de défense, tout ce qui concerne les questions que vous pouvez continuer à vous poser au sujet du déroulement de l'enquête, il est tenu par la loi et par ses obligations de les réserver d'abord au parquet général près de la cour d'appel de Kinshasa. Néanmoins, effectivement, vous poseriez la question, quelle est l'incidence du désistement de la plainte du gouverneur Moïka Sandji dans cette procédure. Un plaignant n'a pas la latitude à lui tout seul, sauf sur base de quelques infractions limitées par la loi. Que s'agisse des crivelleries, des chèques sans provision ou bien en matière d'adultère, ce sont des cas précis qui permettent à un plaignant de stopper l'action publique. Mais dans les cas sous examen où il y avait deux plaintes assez particulières, à savoir accusation dommageable et tentative d'extorsion, ça n'entre pas dans les cas limitatifs qui permet que le simple retrait de la plainte stoppe l'exercice de l'action publique. Ce qui implique que le parquet général, à ces jours, peut continuer ses investigations et peut continuer la procédure indépendamment du désistement de la plainte du plaignant. Mais pour nous, nous avons bon espoir, sur base des éléments dont nous disposons, d'assurer la défense de notre client et de démontrer de manière éclatante que non seulement qu'il est présumé innocent, mais que son innocence pourra être établie au regard des prescrits de la loi. En tout cas, c'est notre devoir
même si nous ne sommes pas astreints à une obligation des résultats, mais mes confrères et moi, nous nous battons pour que Eliezer Tambwe, dans cette procédure, sorte la tête haute comme il est sorti du CPRK la dernière fois. Pour clôturer, je pourrais juste dire que les perspectives d'évolution de cette procédure au niveau du procureur général, le parquet a la latitude à un moment donné, soit de continuer ses investigations, soit de les classer sans suite. Aujourd'hui, mes confrères et moi, c'est avec beaucoup de fierté que nous sommes heureux d'être à côté de notre client, un homme libre, et ses statuts de liberté provisoire, nous voulons qu'ils soient les plus provisoires possibles, afin qu'il recouvre la plénitude de sa liberté. Et je ne pourrais commencer sans pour autant évoquer la pensée du premier ministre Mieux vaut être pauvre mais libre plutôt que riche mais enchaîné. Et mon client aujourd'hui est libre. Il a recouvert sa liberté qui a été confisquée. Et nous sommes très heureux, d'ailleurs, l'estime confrère l'a épinglé. Et cette liberté est obtenue suite au désistement, suite au retrait de la plainte du plaignant, M. Ngoy Kassan, le gouverneur du Kassai, du camp Kassai, qui a trouvé que le climat de bonne entente règne entre les deux parties. En quelque sorte, ça a décrispé le climat judiciaire. Et nous aimerions que ce climat d'attente puisse régner, continuer à régner, jusqu'à ce que la suite de ce dossier soit réservée. Et le client l'a relevé aussi qu'il est citoyen congolais. De par son émission, Tokomi Wapi, il est en train d'aider l'État congolais, puisque l'État congolais, en quelque sorte, a ses mains élargies jusqu'à mon client, qui dénonce certains faits, qui fait parler les gens, qui ils viennent déposer leur demande, leur requête, et mon client ne fait que transmettre, faire entendre la voix de ceux qui ne peuvent pas parler. En quelque sorte, c'est un devoir citoyen que tout journaliste et tout citoyen doit accomplir. L'État pouvait même le couronner comme nous avons assisté en Italie. Il y a un expatrié qui a arrêté un terroriste. Mais aujourd'hui, il a obtenu le papier puisqu'il a posé un devoir citoyen. Donc, mon client, à ce jour, je me résume, il est libre, mais nous sommes dans l'espérance que la suite de son dossier sera à sa faveur. D'autant plus que jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes très confiants à l'administration judiciaire de notre pays pour faire éclater la vérité. Ça où je considère que mon client a été extrêmement courageux et que vous êtes courageux quand vous êtes des lanceurs d'alerte dans ces sens. Vous avez fait allusion à un verset biblique, au jour du malheur. Réfléchis. Je pense aussi à un autre verset biblique qui dit clairement que « Ouvre ta bouche pour les muets, parle pour ceux qui n'ont pas de voix ». Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans un contexte où, si des gens comme Eliezer Tambwe se taisent, eh bien, ils entravent encore un verset biblique qui dit « Ce n'est pas en vous taisant que vous rendez justice ». Ce sont les voix des sans-voix, les porte-voix, et c'est pour nous un grand plaisir, un privilège et beaucoup de fierté que de porter nos voix et d'assister et de défendre ceux qui courent les risques dans un contexte où on veut une presse caporalisée, une presse aux ordres, une presse des communicants, qu'il y ait encore des gens qui acceptent de braver une logique liberticide pour ne pas être des journalistes laudateurs, des journalistes communiquant avec des éloges dithyrambiques, là où il faut mettre le doigt sur ce qui ne va pas. Donc voilà ce que j'avais à dire par rapport à ces constats. Pour votre consoeur, qui voulait savoir s'il y a eu un prix à payer, je ne sais pas, vous voulez savoir s'il y a eu des sommes ou quoi. Non, nous avons
introduit une requête pour solliciter la mise en liberté provisoire de notre client parce que ce sont les prérogatives que la loi lui reconnaît. Il est présumé innocent. En matière de poursuite et de détention, la liberté est la règle. On a appliqué ça et on a rempli les conditions. Donc nous n'étions pas suffisamment fortunés pour agir autrement. Mais nous agissons conformément à la loi et la démarche des Biézer était légale et elle a accompli toutes les conditions fixées par la loi. À un moment où c'était dans un cadre familial assez tumultueux, parce que vous savez qu'en ce même moment, ces enfants ont connu un accident de circulation. C'est peut-être ça qu'il a hypothéqué. Il a hypothéqué certainement ses droits d'être comme nous tous légitimement, avec notre famille, avec nos enfants, avec ceux qui nous aiment. Ça, il a hypothéqué, si vous voulez savoir. Il a hypothéqué sa liberté. Il s'est retrouvé à Makala, dans les pavillons où on retrouve souvent les gens impliqués dans des questions extrêmement graves d'atteinte à l'intégrité physique et dans des cas à domicile. Ça, il a hypothéqué. Il a hypothéqué sa sécurité. Il a hypothéqué son honneur. Il a été jeté en pâture. On a suivi dans les médias, dans les réseaux sociaux, des propos de nature à remettre en cause toute une carrière. Ça, il a hypothéqué. Mais aujourd'hui, je pense que tous ceux qui ont assisté à sa sortie du CPRK se sont rendus compte que quand il a hypothéqué ça, et je rentre dans ces versets bibliques, hein, il faut que les grains d'abord meurent pour qu'ils produisent du fruit. Donc quand il a hypothéqué cette liberté, lorsqu'il est sorti, j'étais avec lui dans les véhicules, en ce moment-là, et je crois que mon confrère John Omeyata sait que le jour où nous plaidions devant la chambre du conseil, où nous n'étions pas sûrs que notre client sortirait libre, mais nous avons plaidé parce que nous croyons au droit. Mais quand nous avons vu Eliezer Tambwe sortir, nous avons vu cette ferveur populaire, nous avons compris une chose. Ce qu'il avait hypothéqué avait du sens. Et que ce que vous faites a du sens. Et vous avez vu que cette population, les délaissés, qui n'a nulle part où aller, qui n'a même pas l'argent pour trouver un avocat, qui n'a pas de bureau où on leur ouvrirait la porte, cette population qui n'a que Tokomiwabi pour faire entendre sa voix, était venue saluer son champion.